nous sommes venus visiter la maison natale de ce peintre Moissaguet, qui fut longtemps ignoré des Moissaguet d'ailleurs, et qui est né ici, dans ce qui était autrefois, et qui ne l'est plus, un moulin bladier, c'est-à-dire un moulin qui moulait du blé, et qui était celui du père et de la mère de ce peintre, de ce jeune enfant, puisqu'il est né ici, appelé Firmin Maurice Étienne Bouisset. Voilà, il est donc né ici, dans ce moulin, le 2 septembre 1859. Sa maman s'appelait Lavabre, je crois, de son nom. Et son père s'appelait Jules. Son père, je vous l'ai dit, n'était pas dessinateur, il n'était pas peintre. Tout juste faisait-il de la poésie. J'ai retrouvé de lui un poème écrit en occitan ou en patois, comme vous préférez. C'était une fable de La Fontaine qu'il avait traduit en occitan. Voilà, c'est toute la culture de son père, peut-être se résumer à ça. Et cet enfant né avait des dons exceptionnels pour le dessin. Allez donc savoir pourquoi. Et il vit c'est ici qu'il va passer son enfance, dans ce moulin où son père travaille. D'abord, ce moulin, il ne faut pas le voir tout à fait comme vous le voyez aujourd'hui, en 2002. Très exactement, je crois, le 8 février 2002. À l'origine, il est beaucoup plus petit que le bâtiment qui est sous vos yeux aujourd'hui. Il n'a pas toute cette partie en arcade que vous pouvez voir. Ça se bornait uniquement à toute la partie haute et quadrangulaire, je veux dire carrée, de ce bâtiment. Je possède un document qui nous montre le moulin à cette époque-là. Un document précieux d'ailleurs que j'ai retrouvé beaucoup plus tard. Et des photos, tenez-vous bien, faites par Firmin Bouisset lui-même. Inutile de vous dire que ce n'est pas lui qui me les a confiées parce que je n'étais pas né quand il est décédé, mais je les ai retrouvées ensuite dans sa descendance, dans sa famille. Ce moulin n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il était beaucoup plus petit, il était beaucoup plus rustique, beaucoup plus rudimentaire. On y accédait par des chemins de terre. Cet écoulement existait bien sûr parce que c'est le canal de sortie du moulin. Le canal d'amener est juste en haut, ce sont les eaux du Tarn. Et le canal de sortie était celui-ci. Et les meules étaient au-dessous. Je les ai vus. Car enfant, à peu près à l'âge de Firmin Bouisset lui-même, je venais, moi, dans mon enfance, on venait se baigner ici. Et on venait également s'y promener. Et c'était une nature absolument luxuriante, aquatique, une végétation tout à fait aquatique. Tout ceci, toute cette partie que vous voyez là, vous voyez ici, là, tout ce qui est maintenant discipliné, ordonnancé, autrefois c'était la forêt vierge. Alors inutile de vous dire que des enfants comme nous, de 10 ans, 11 ans, nous passions ici des moments très agréables, un petit peu sauvages. Eh bien, ces mêmes instants, un autre enfant les avait vécus avant nous, c'était Firmin Bouisset. Et il avait connu ici, d'après un de ses biographes, une nature verdoyante. Il avait devant lui la grande chaussée du moulin, qui à l'époque coulait, c'était une cascade. Maintenant, ça n'existe plus, mais on voit encore un léger frisolis sur l'eau. Et au-dessous, à 50 cm à peu près, quand les eaux sont relativement basses, se trouve encore la chaussée. Et donc l'eau coulait, c'est une chute de 2 ou 3 mètres, ça faisait un bruit assourdissant, et puis ça faisait une frange d'écume argentée qui donnait à ce paysage encore plus de charme. Il y avait de grands peupliers, il y avait de grands saules, il y avait une végétation ultra abondante et il y avait devant lui cet autre moulin là-bas qui tournait à l'époque encore de ses 24 meules. Celui-ci en avait beaucoup moins, hein. Mais je les ai eus visités parce qu'enfin on descendait là, hein, et on allait courir l'aventure nous aussi un petit peu pour découvrir ce qu'il y avait sous ce moulin. Et très tôt, enfant, Firmin Bouisset se découvre un plaisir, un goût, des possibilités, un don vers le dessin. Et il dessine. Il a sans doute des crayons à sa disposition. Il a aussi une vieille grand-mère, une Omenino, sa grand-mère, la mère de son père ou de sa mère, je ne sais pas, qui lui raconte des histoires, qui nourrissent son enfance,
qui peuplent son enfance. Toutes ces histoires que l'on raconte habituellement aux enfants, vous savez. Et tout ça, ça nourrit son imagination, ça nourrit sa pensée, et surtout sa forme, sa jeune intelligence. Voilà. Et alors il dessine. Il dessine quoi? Ben, il dessine ce qui l'environne, évidemment. Il ne bouge pas d'ici, à part peut-être le fait d'aller dans une école pour enfants des environs, mais il ne bouge pas d'ici. C'est ici qu'il passe ses vacances. On ne partait pas en vacances comme aujourd'hui. Mais pourquoi serait-il parti en vacances alors qu'il avait ici tout ce qui pouvait l'intéresser, le passionner, lui plaire, hein, élever son esprit, et puis surtout, lui donner ce goût du dessin et de la peinture, de tous les objets et de toute la végétation qui l'entourait. Alors il dessine. Et non seulement il dessine les plantes, il dessine les arbres, il dessine les fleurs qui poussaient en abondance à cette époque-là, dans tous ces herbages qu'il y avait ici, mais il dessine aussi ses petits camarades. Tout d'un coup, il se prend d'un goût immodéré pour dessiner ses petits camarades. Non seulement ses petits camarades d'école, mais les petits camarades qui venaient jouer ici avec lui le jeudi, car à l'époque les vacances étaient le jeudi, et le dimanche, le samedi, on est en classe. Et il dessine ses petits camarades, et il les surprend, comme ça, dans tous les actes, dans tous les gestes, dans toutes les attitudes de l'enfance et des jeux de l'enfance. Il les dessine, par exemple, en train de pêcher. On pêchait beaucoup. Il les dessine sur les barques, qui étaient toutes arrimées, accostées ici, sur les rives du Tarn. Il les dessine appuyées sur une barrière. Il dessine surtout une petite fille, dont déjà très jeune, il a une dizaine d'années, il est déjà éperdument amoureux. Elle est toute blonde, elle a des yeux bleus. Il apprend le dessin et puis dans le seul but peut-être de dessiner cette petite jeune fille en lui plaçant un bouton d'or au bout des doigts, comme ça. Firmin Bouissé grandit et puis il arrive un moment, bien sûr, où il doit quitter ses parents pour prendre un métier et aller gagner sa vie à l'extérieur. Il va quitter l'école. Il va donc poursuivre ses études au conservatoire. J'ai dit le conservatoire, j'ai voulu dire les Beaux-Arts. Pardon, les Beaux-Arts de Toulouse. Et là, pendant quelques années, il va étudier sous la férule de quelques maîtres du dessin et de la peinture, et il va devenir très certainement l'un des meilleurs élèves de ces Beaux-Arts de Toulouse. Au point que l'on pense pour lui qu'il doit faire les Beaux-Arts de Paris. Il va passer le concours pour entrer aux Beaux-Arts de Paris, et il va être reçu en très très bonne place. Dans ce concours, il s'était présenté à peu près 300 candidats, il va être le dixième. Il va terminer au rang de dixième et il va partir en 1880, en 1879 exactement. Et si vous faites bien le calcul en sachant qu'il est né en 1859, c'est très facile à faire. 59-79, Firmin Bouissé a 20 ans et il va, comme l'on disait à l'époque, et il va monter à Paris. Pour y exercer son talent et surtout essayer, comme on essayait de le faire à l'époque, de s'y faire un nom et d'y gagner la célébrité. C'est ce que bien sûr cherchaient tous les peintres, hein, tous les artistes. Voilà, nous le reprendrons si vous voulez, Firmin Bouissé, lorsque nous serons au pied du mur peut-être et lorsque je vous dirai quelle fut sa vie et son existence à Paris et comment il allait arriver à réaliser cette œuvre d'affichistes, chromolithographiques, et que vous connaissez et qui l'ont fait surtout connaître. En 1880, Firmin Bouissé va donc monter à Paris pour s'y faire une vie, y exercer son talent de peintre et de dessinateur. Et il va très vite d'ailleurs s'y marier. Et se mariant, évidemment, il va avoir par la suite il va avoir des enfants. Et il va en avoir quatre. Ces enfants, nous allons les prénommer déjà. L'aîné s'appellera Yvonne, le second s'appellera Jacques, le troisième s'appellera Pierre, et la benjamine s'appellera Raymonde. Inutile de vous dire, bien sûr, que pour faire vivre toute cette famille, son épouse, ses quatre enfants, il devait très très vite gagner sa vie et gagner de l'argent. Or, la peinture ne payait pas son homme, hein, véritablement. Pour réussir dans la peinture, il fallait se montrer original. Il fallait faire quelque chose, peindre des tableaux que personne encore avant lui n'avait peint. Il a la possibilité de travailler dans l'illustration.
Et là, il va illustrer les livres sur l'enfant. Parce que c'est dans ce boudin, précisément, qu'il avait pris le goût de l'enfance et de la nature. Et les enfants vont devenir son sujet principal d'inspiration avec les fleurs. Et il va mélanger, il va mêler son inspiration, ses dessins d'enfants, avec ses dessins de fleurs. Parce que, dit-il lui-même, il trouve dans ces deux aspects printaniers de la vie, que sont les enfants et que sont les fleurs, il trouve une alliance, il trouve des ressemblances. Les fleurs ont la fraîcheur de l'enfance et l'enfance a la fraîcheur des fleurs. Et voilà pourquoi, pendant toute sa vie, pratiquement il ne fera que ça. Peindre des fleurs et des enfants, et souvent les associant. Voilà. Et c'est à cette époque-là qu'est introduite en France l'art de la chromolithographie. C'est l'art de l'affiche en couleur. Et quand Firmin Bouisset découvre cette chromolithographie, sans trop le savoir encore, il va trouver là son bâton de maréchal, c'est-à-dire qu'il va faire ses premières affiches en couleur, et il va là encore découvrir une technique, des thèmes et des sujets d'inspiration qui vont lui donner la renommée. Et en particulier, c'est pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, il va sortir quoi ? Il va sortir l'affiche de la petite fille du chocolat Meunier. C'est sa première affiche. Elle date de 1892. Et je vais vous raconter comment il a eu l'idée de cette affiche, car précisément, cette idée est particulièrement géniale. Il a été commandité par les établissements Meunier qui le font venir un jour dans leur bureau en leur disant « Voilà, nous voudrions une affiche qui ait de l'impact pour nos chocolats, pour nos produits Meunier. » Eh bien, dit Firmin Bouisset, je vais me mettre à l'œuvre, je vais me mettre au travail. Et il sort des usines Meunier, il sort de ses bureaux, il va dans la rue, et que voit-il ? Il voit une enfant qui est en train d'écrire, on dirait aujourd'hui, de taguer un mur. Et il se dit, mais voilà, la voilà l'idée, c'est ce que je vais faire. Il rentre chez lui, il rentre dans son atelier, il appelle Yvonne, sa fille, qui a sensiblement l'âge de la petite fille qu'il venait de voir écrire sur le mur. Il lui dit, voyons Yvonne, voyons, mets-toi là, mets-toi contre cette toile, prends un crayon et dessine. Et aussitôt la petite fille, avec un geste très naturel, se met à écrire sur le papier que lui a présenté son père, et ce faisant, comme elle est encore un petit peu petite, elle n'a que 9 ans, elle se hausse sur la pointe des pieds, dans un geste très naturel de quelqu'un qui écrit au tableau, ce qui vous arrive très certainement, ou vous arrivez quand vous étiez petit, pour pouvoir accéder le plus haut possible au-dessus du tableau. Et c'est de là qu'est née, en 1892, cette fameuse affiche qui a fait le tour d'abord de France, parce qu'on l'a vu sur tous les murs. En allant vers le centre de la ville, il y avait une autre affiche. Et cette affiche, c'était le petit écolier des biscuits. Et ces deux affiches ont véritablement fait la renommée de l'art d'affichiste de Firmin Bouisset. Ce sont les deux affiches que l'on connaît le mieux. Il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres que l'on connaît aussi très très bien. Mais il faut dire que celles-là se retrouvaient sur tous les murs de France, de Navarre et même de l'étranger. Et elles sont indissociables. Elles sont indissociables et c'est la raison pour laquelle nous les avons mises toutes les deux sur le mur. Elles sont inséparables. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, la petite fille Yvonne, qui était la fille de Firmin Bouisset, mais le petit écolier de Bisselu était son fils. C'était son fils dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire son fils Jacques, qui l'a pris pour modèle aussi pour faire cette affiche. Alors sur ce mur que vous voyez, nous avons voulu rassembler, et qui date de 1988, pour moi, c'était, si vous voulez, vous avez vu tout à l'heure la plaque commémorative que nous avons fait à poser au moulin. Nous sommes maintenant dans le jardin Firmin Bouisset. Tout ceci s'est passé en 1988. Et je me disais, il manque encore quelque chose dans moi ça. Il y manque ces deux affiches de Firmin Bouisset. Il faut les mettre quelque part. Et mon ambition était qu'un jour elles figurent sur un mur. Et un jour, en me trouvant au centre-ville, là-bas, sur la place du Pont Tréguantier, c'est-à-dire au centre géométrique de Moissac,
En tournant la tête, je vois votre mur, le mur du collège Jeanne d'Arc. Je me suis dit, mais voilà, c'est le mur qu'il me faut. Et à partir de là, ben, on a tout mis en œuvre pour que nous ayons à Moissac un mur peint qui réhabilite la mémoire de Firmin Buisset aux yeux de tous les Moissacais. Et maintenant, plus personne ne peut ignorer que Firmin Buisset, auteur de ces affiches, est un Moissacais d'origine. Que tu voulais me poser des questions? Oui. D'où vient le tableau devant lequel nous nous trouvons et de, je suppose, qui est de Firmin Buisset? Eh bien, tu supposes bien que de Firmin Buisset, c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Et ce tableau, vois-tu, c'est toute une histoire. Pour moi, c'est une très très belle histoire. Parce que c'est par ce tableau que j'ai appris que Firmin Buisset avait peint en 1880. Quand il peint ce tableau, il n'a que 20 ans, Firmin Buisset. Il a 20 ans. Il l'a donc peint, vous vous en souvenez, entre le moment où il va quitter les Beaux-Arts de Toulouse pour intégrer les Beaux-Arts de Paris. Et il est, ne l'oubliez pas, d'une famille modeste. Donc ses parents n'ont pas les moyens de l'envoyer étudier à Paris, aux Beaux-Arts. Alors, la ville, reconnaissant le talent de l'enfant du pays, va lui voter une pension de 300 francs. De 300 francs. Et grâce à ça, il va pouvoir monter à Paris et faire des études qui vont l'amener là où vous savez. Voilà. Alors, à cette époque-là, ce personnage que vous voyez ici, et qui s'appelle Camille Deltil, était maire de Moissac, ou peu s'en faut. Il était adjoint, peut-être premier adjoint. Et alors, il connaissait donc Firmin Buisset, et il lui demande, il s'appelle Camille Deltil, et il lui demande de le peindre, et de le peindre en pied, c'est-à-dire debout, grandeur, nature. Et Firmin Buisset s'exécute, et peint ce tableau. Et ce tableau, c'est un peu, si vous voulez, l'étrier qui le met en route pour le succès qu'il va obtenir à Paris, car ce tableau va obtenir un prix au Salon de Paris. Où sur 9000 tableaux présentés, on n'en recevait que 2000. Et parmi ces 2000, il y avait deux tableaux de Firmin Buisset, dont celui-ci représentant Camille Deltil, maire de Moissac. C'est-à-dire que ce tableau, pour moi, est précieux, parce que se réunissent dans ce tableau deux des plus grandes personnalités de notre ville. Camille Deltil, l'administrateur, le modèle, et Firmin Buisset, dont on voit le nom ici au pied du tableau, qui était le peintre. Voilà. Et ce tableau nous a été offert par une descendante de Camille Deltil, en réalité sa petite fille. Voilà comment nous avons le tableau de Camille Deltil ici à Moissac. On ne le connaissait pas avant ce tableau, Camille Deltil. On connaissait son nom, mais on n'avait pas de dessin, on n'avait pas de gravure, on n'avait pas de portrait. Et ce tableau a été le bienvenu, parce qu'en fait, ce grand personnage moissacien, qui fut un politique, qui fut un littérateur, il était romancier, il était poète, il était écrivain, il était journaliste. C'est une des plus grandes personnalités moissacaises, et nous avons maintenant le plaisir de l'avoir ici, dans cette grande salle des mariages de l'hôtel de ville, où il est, disons-le, à sa juste place, et ce n'est que justice qu'il y soit. Parce que vous pourriez me poser la question, et son œuvre peinte, en définitive? Eh bien, je crois que son œuvre peinte et son tableau le plus connu, c'est encore celui-ci qu'il a peint à l'âge de 20 ans. Certes, il a fait d'autres tableaux. J'en ai un dans l'esprit, par exemple, que je revois très bien, parce que j'en ai la reproduction, c'est l'État et le Cygne. Un très beau tableau aussi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est très très difficile de se faire un nom dans la peinture classique, c'est-à-dire celle qu'il avait étudiée. Pour sortir à cette époque-là, il fallait faire montre, faire preuve d'originalité. Les noms que l'on retient de ces époques-là, ce sont des noms comme Picasso, ce sont des noms comme Braque, ce sont des noms comme Chéret, comme Capiello, comme Mucha, c'est-à-dire des gens qui ont créé un style nouveau. Et créant un style nouveau, évidemment, ils se sont fait connaître. Alors que lui ne peignait que d'une manière classique. On appelle ça les grands maîtres. Et lui, Firmin Buisset, était un petit maître dans cette époque du 19e siècle, qui est la sienne. Mais heureusement, il a brillé grâce à ses affiches.
bien, écoutez, c'est pas compliqué, nous allons peut-être en terminer ici, après vous avoir dit ça, la suite de la vie de Firmin Bouisset, car Firmin Bouisset n'est plus, vous vous en doutez, né en 1859, il n'est plus de ce monde, et il n'est plus parmi nous, et mon grand regret c'est de ne pas l'avoir connu, d'autant qu'à 2 ans près, j'aurais pu le connaître. Bien sûr, j'eusse été trop petit pour en prendre conscience, mais quand Firmin Bouisset est mort, en 1925, il est mort relativement jeune, à l'âge de 66 ans. Alors, il a une descendance. Je vous ai dit qu'il avait 4 enfants. Et c'est vrai. Il a ses enfants, je vous en ai cité le prénom tout à l'heure. Évidemment, il n'existe plus non plus, ses 4 enfants. Mais ses enfants ont eu à leur tour des enfants. Et à Toulouse, vit la fille d'Yvonne, la petite fille du chocolat Meunier. Et à Bayonne, vit la fille du petit garçon des biscuits lus, le petit Jacques. Inutile de vous dire, bien sûr, que je suis allé les trouver. J'ai été reçu par ces deux dames à bras ouverts, qui ont mis à ma disposition, bien sûr, toutes les ressources, tous les trésors de leur collection personnelle, et surtout, leurs souvenirs, car elles se souviennent de leur grand-père. Elles l'ont connu petite, mais malgré tout, elles se souviennent. Bon papa, comme elle l'appelait, bon papa Firmin, c'était lui. Voilà. Et il les a beaucoup aimés aussi, parce que comme nous finirons sur ces mots, si vous voulez, il a tout tellement aimé la nature et les enfants qu'il ne lui restait plus grand-chose à aimer. Il avait tout aimé en disant ça. De notre reportage est arrivé. Au revoir et à la semaine prochaine.